Ouais, c'est bien ça. Ah, salut les Diginautes, bienvenue dans le live de DigiSchool. Avec, vous l'avez deviné, aujourd'hui un live absolument génial, servi par votre serviteur Albernard Stein. Alors évidemment, ma petite moustache va disparaître parce que je n'ai pas encore cet âge-là, mais vous l'avez compris, nous avons un live aujourd'hui sur l'activité cérébrale. Et oui, le cerveau, les capacités intellectuelles, ce que vous appelez plus communément le QI, le quotient intellectuel. Savez-vous que Albert Einstein avait un QI de 164. Ça n'est pas le record. Le record mondial est de 225. Imaginez lorsque l'on sait que la moyenne mondiale est de 100. Eh oui, vous pouvez vous-même tester votre QI sur Internet pour en savoir un peu plus. Alors nous, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est justement essayer de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Génial ou pas d'ailleurs, certains sont plus ou moins performants et on va voir que cela est dû effectivement à notre système nerveux central, ce qu'on appelle le cerveau ou l'encéphale. Alors, cette partie-là du programme, la plupart d'entre vous, figurez-vous, l'avez-vous traité en fin de quatrième. Alors ça va être l'occasion de WhatsApper, de Facebooker, faites appel à vos copains parce que je suis persuadé, nous sommes persuadés à DigiSchool que cette partie-là du programme, vous ne la maîtrisez pas trop. Attention, l'année dernière, l'éducation nationale avait proposé en épreuve zéro pour le brevet des collèges, justement une épreuve qui portait sur le système nerveux central, les neurones, le circuit nerf sensitif, nerf moteur. Alors, c'est le moment d'appeler vos potes parce que je suis sûr que beaucoup d'entre eux sont perdus dans ce domaine-là. Et ça se passe ici et maintenant sur le seul live de France avec l'équipe de DigiSchool qui est là pour vous aider à obtenir ce brevet qui aura lieu très bientôt maintenant. Alors, la pression monte, la chaleur grimpe au cerveau, vous allez faire travailler vos méninges avec ce live sur le système nerveux central. Alors, on va commencer tout de suite par comprendre que tout ce qui relève du système nerveux ne se fait pas en un seul endroit. Vous avez ici une illustration, vous voyez très bien ici notre cerveau, et vous voyez que ce cerveau, il se prolonge ici par une moelle épinière. Alors sachez que cette moelle épinière, évidemment, a elle-même des prolongements, ici que vous voyez très bien, tout un tas de nerfs de chaque côté, ici, ici, tout le long. Si bien que ce que l'on appelle le système nerveux est un ensemble donc constitué du cerveau, de la moelle épinière qui en est son prolongement, ainsi que tous les nerfs qui sortent de cette moelle épinière. Alors, pour comprendre comment tout cela est relié, on va être obligé d'en rentrer dans le détail. Sur le slide suivant, vous allez donc découvrir que cette moelle épinière est évidemment dans la colonne vertébrale. Et oui, la colonne vertébrale, les amis, cette colonne vertébrale qui est constituée bien évidemment d'un certain nombre de vertèbres. Vous avez ici à l'écran le détail de ces vertèbres avec des vertèbres cervicales, des vertèbres dorsales, lombaires ou soudées. Et vous avez une représentation ici, vous voyez, la petite moelle épinière qui suit ici toute la colonne vertébrale jusqu'au bout. Donc finalement, cette colonne vertébrale est une espèce de tuteur qui nous permet évidemment de rester debout, mais également un étui protecteur pour ce câble très important qui relie votre cerveau à tous vos autres organes. Sur le slide suivant, à quoi on va donc ressembler ce que l'on va appeler une vertèbre? Eh bien, cette vertèbre, comme vous le voyez, ces vertèbres, cette superposition de vertèbres, là, là, est accompagnée de séparateurs ici. Des séparateurs qui sont en fait des disques. Vous le savez peut-être, et puis ça est arrivé peut-être à certains d'entre vous, des tassements de disques. Parce que lorsque je porte par exemple une charge, généralement lorsque je vais faire mes courses par exemple, ou j'ai quelque chose de lourd à porter, bah, qu'est-ce qui se passe? Je ne descends pas sur mes jambes bien droites comme ceci, mais je me penche comme cela. Et du coup, j'applique ici une force très importante à ce niveau-là, hein. L'inclinaison ici de votre vertèbre lorsque vous penchez, parce que là vous avez l'arrière,
Hein, c'est les petites bosses que l'on sent dans le dos lorsqu'on passe la main ici dans son dos, ce qu'on appelle les apophyses ici, hein, ces espèces de petites bosses. Donc ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Alors évidemment, lorsque je me penche en avant, j'exerce un angle ici qui va produire une force qui va s'appliquer ici, hein, en bas. Et du coup, cette force, qui est le poids de votre corps, risque d'écraser les disques ici. Et vous risquez à ce moment-là une espèce de débordement de votre disque qu'on appelle une hernie discale. Alors tout ça pour expliquer comment fonctionne la colonne vertébrale. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que c'est bien dans cette colonne vertébrale qui nous permet de rester debout, de bouger notre corps comme ceci, un peu à Michael Jackson. Eh bien, c'est cette colonne vertébrale qui contient la moelle épinière. Pour information, l'épaisseur de la moelle épinière, c'est à peu près le diamètre ici de mon petit doigt. Vous voyez? C'est à peu près ça le diamètre de votre moelle épinière. Sur le visio suivant, vous avez une seule vertèbre vue de face. Donc vous retrouvez ici évidemment les petites épines que l'on sent dans le dos. Ici, c'est l'avant de votre vertèbre, hein, on est d'accord. Et puis là, vous avez donc un trou. C'est dans ce trou que se trouve la moelle épinière, comme on vient de le dire précédemment. Alors évidemment, il ne faut pas que cette moelle épinière soit attaquée ou détruite lors d'un accident, par exemple, parce qu'évidemment, ça aurait des conséquences sur notre capacité à bouger. Sur la visio suivante, nous avons donc une illustration de ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire ici, nos vertèbres superposées les unes aux autres, c'est un petit résumé. Avec ici là toute la colonne vertébrale. D'accord? Donc ce que j'essaye de vous expliquer là aujourd'hui, c'est que c'est un ensemble homogène entre notre cerveau et puis ce qui sort de notre colonne vertébrale et qui est constitué de nerfs. Sur le slide suivant, nous avons ici quelque chose de plus précis que ce que nous avons eu précédemment. On retrouve ce que l'on a dit tout à l'heure. Nous retrouvons ici nos vertèbres. Nous revoyons ici, vous voyez, cette zone-là, c'est donc bien la moelle épinière dont je vous ai parlé, qui est épaisse à peu près comme mon petit doigt. Et puis là, vous avez une illustration de cette moelle épinière. Et c'est là où ça se corse un petit peu, parce que c'est dans cette moelle épinière que l'on va retrouver un certain type de cellules dont vous avez déjà entendu parler, qu'on appelle les neurones. Et oui! Les neurones, il n'y en a pas que dans le cerveau. Pas du tout. Il y en a également dans la moelle épinière. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour également vous signaler quelque chose qui est assez récent en médecine, en tout cas qui est ancien, par exemple, en médecine chinoise, mais qui est relativement récent dans la médecine, on va dire, occidentale, allopathique, parce qu'on s'y intéresse depuis assez peu. Il y a dans vos intestins, et notamment dans le gros intestin, tout un tas de neurones également. Et oui, vos intestins communiquent avec votre cerveau. D'ailleurs, c'est votre intestin qui vous dit si ce que vous avez mangé est bon et lui a procuré du plaisir. Et il le fait en communiquant par l'intermédiaire d'un nerf qu'on appelle le nerf 10, le nerf vague. Je fais cette petite parenthèse pour que vous vous enlevez de la tête, c'est bien le cas de le dire, que les neurones sont uniquement dans le cerveau. C'est faux. Des neurones, on va le voir, il y en a donc dans le cerveau, il y en a donc dans notre moelle épinière ici, et il y en a même dans nos intestins. Alors vous, évidemment, vous l'avez compris, ces neurones vont être les cellules qui vont permettre le transfert, le passage du message nerveux. Sur l'image suivante, nous avons ici un schéma important. Important, pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'épreuve zéro qui a été donnée l'année dernière pour le brevet des collèges, épreuve zéro dans laquelle il y avait un schéma qui ressemblait à celui-ci. Bon. Sur ce schéma, il y avait un certain nombre de zones manquantes et il fallait les compléter. Alors, les compléter comment? Ici, pour que vous compreniez bien, on retrouve évidemment notre moelle épinière. Et puis, on va commencer à intégrer cette notion de nerf, parce que cette notion de nerf est souvent confuse dans la tête des élèves, parce qu'ils n'ont pas compris une chose qui est relativement simple, c'est qu'en réalité, il existe deux types de nerfs. Et oui, il n'y a pas un seul type de nerf. Il y a des nerfs
un nerf, un type de nerf, qui va conduire l'information ici du récepteur jusqu'au centre nerveux. Ici, c'est la moelle épinière, mais ça aurait pu être le cerveau. Alors ce nerf-là, qui est représenté ici en vert, hein, vous voyez là, eh bien ce qu'on appelle un nerf sensitif. Ce nerf sensitif conduit donc le message d'où à où du récepteur jusque à une partie du système nerveux, ça peut être la moelle épinière et ça peut être le cerveau. Bon. Deuxième type de nerf, le nerf qui va partir du système nerveux et qui va aller jusque à ce que l'on appelle un effecteur donc qui va effectuer un mouvement. Généralement, c'est un muscle, mais pas toujours. Si cet après-midi, vous passez devant une pâtisserie, que vous voyez un éclair au chocolat, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? On va baver, on va saliver. Eh bien, dans ce cas-là, l'effecteur ne sera pas un muscle, mais ce seront les glandes salivaires que vous avez dans la bouche. Mais dans la plupart des cas, c'est vrai, c'est un muscle. Prenons un exemple concret. Je suis en train de traverser la route. Mon récepteur, on va en dire quelques mots, l'œil, voit l'image de la voiture arriver sur moi. Ce message est transmis jusqu'à mon cerveau par l'intermédiaire du nerf sensitif. Et on va le voir un petit peu plus tard, le cerveau va analyser cette situation et va donner un ordre au nerf moteur pour prendre mes jambes à mon cou et courir et échapper évidemment à la voiture. Très important cette notion de nerf sensitif, de nerf moteur. Et si vous avez compris cette notion, eh bien vous avez donc compris que le nerf conduisait le message nerveux uniquement dans un seul sens. Sur l'image suivante, vous avez un très beau résumé de cela. Et c'est vraiment, si on veut parler maintenant d'examen, parce que nous sommes quand même là pour ça, les amis, eh bien, vous avez typiquement le schéma dont vous avez besoin pour le brevet des collèges. Vous pourriez très bien avoir ceci. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous, d'ailleurs, qui ont sûrement fait dans leur établissement l'épreuve zéro en question et ils reconnaissent ici l'essentiel de ce qu'il y avait à compléter dans cet exercice. Donc, vous retrouvez le récepteur, vous retrouvez ici le nerf sensitif, vous retrouvez ici le centre nerveux, vous retrouvez là le nerf moteur, qui est indiqué ici comme étant le nerf également effecteur, mais c'est un nerf également moteur, effecteur et moteur, c'est pareil. Et enfin, l'effecteur en question ici, qui généralement est un muscle. Voilà le schéma que vous devez apprendre pour le brevet des collèges. Apprendre par cœur, que vous devez savoir compléter. Pas refaire, hein, ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera pas de refaire ce schéma, mais on pourrait vous demander de le compléter. Donc là, nous sommes à un moment important du live et de vos révisions. Cher Diginote, donc du coup, hein, s'il y en a encore qui sont en train de dormir cet après-midi ou en train de jouer à la console, c'est le moment de leur dire de venir ici pour un petit peu bosser. Parce que le brevet des collèges, il ne va pas tomber tout cuit. Et de faire travailler notre cerveau et nos méninges. Sur le slide suivant, nous avons donc quelque chose qui va nous permettre de comprendre maintenant la relation qui existe entre un neurone et un nerf. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de diginautes ne comprennent pas. Bien souvent, quand on leur pose la question, mais quel rapport y a-t-il entre un nerf qu'on vous représente ici et puis un neurone que vous avez là? Eh bien, bien souvent, ils ne savent pas répondre à cette question. Pourtant, c'est relativement simple. Regardez. Vous avez ici une coupe transversale de nerfs, c'est-à-dire on a pris un nerf. Un nerf, c'est un truc qui est long comme ça. Eh bien, si je le coupe transversalement, je le vois donc de face. D'accord? Donc, vous avez ici l'illustration du nerf vue de face. Bon. Alors, on ne voit pas grand-chose. Vous allez me dire, on voit une espèce de câble ici, gros câble, qui a été sectionné comme une tranche de saucisson. Bon. Très bien. Maintenant, si je m'intéresse d'un peu plus près de ce qu'il y a dedans, on voit ici très bien tout un tas de petits ronds qui sont schématisés ici. D'accord? Alors, vous avez effectivement là le petit rond que l'on retrouve des milliers de fois ici ou ici. D'accord? Et on voit très bien d'ailleurs que dans ce rond, il y a une espèce de gros point noir qui est indiqué l'axone. Je résume.
Un aire, c'est un ensemble de petits ronds, des centaines, des milliers, que l'on appelle, ces petits ronds sont des fibres nerveuses. Donc des milliers, des espèces de petits câbles comme ceci. Et quand on regarde l'un de ces câbles, donc une seule de ces fibres nerveuses, on voit ce petit rond noir dedans. Alors à quoi correspond ce petit rond noir? Eh bien c'est ça qui va nous permettre de comprendre la relation qui existe entre un nerf et un neurone. Eh bien maintenant, étudions de plus près à quoi ressemble un neurone. Vous avez ici une illustration, on va en avoir une autre après. Un neurone, c'est quoi? C'est d'abord une cellule. Une cellule nerveuse. Bon, cette cellule nerveuse est constituée de plusieurs éléments, dont un prolongement ici. Eh bien, ce prolongement ici, c'est ce que l'on appelle l'axone. Et regardez bien la légende de ce schéma. Et oui, le petit rond noir dont je vous parlais qui est là, c'est l'axone. Vous êtes donc probablement en train de comprendre qu'un nerf, c'est un ensemble de centaines de milliers d'axones qui sont donc eux-mêmes le prolongement d'une cellule nerveuse d'un neurone. Très important ça. C'est bien pour ça qu'ensuite on va regarder ce qu'il en est sur le détail de ce neurone. Mais peut-être et probablement avez-vous des questions? No question. Alors ça voudrait donc dire que vous comprenez tout, mais alors nous sommes en parfaite symbiose. Sur le slide suivant, voilà quelque chose également à savoir par cœur. Deuxième clap, tac, deuxième truc à connaître par cœur. Les différentes parties d'un neurone. Alors je viens d'évoquer tout à l'heure ces fameux axones. Regardez, vous avez ici des espèces de prolongements avec des petits boudins. On voit très bien des petits boudins là. Un boudin là, un boudin là, les petits boudins, un boudin là. Bon. Eh bien, si vous avez compris ce qu'on vient de vous expliquer précédemment, là, une de ces successions de boudins, c'est donc une fibre nerveuse. Et c'est donc, on vient de le dire, un axone. Donc, toute cette partie-là. Eh bien, ça, c'est pareil. D'accord? Et donc, vous allez me dire, mais les petits boudins, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir que l'axone, il n'est pas nu. Il est entouré d'une gaine qui est représentée ici par des espèces de zones bleu-vert et qui constituent, comme vous le voyez là, des petits boudins. Eh bien, ces petits boudins, c'est ce qu'on appelle une gaine de myéline. Et oui, votre câble électrique, ce long axone ici qui part du neurone, il est gainé par une gaine dite de myéline et qui va permettre aux différentes fibres nerveuses d'être isolées les unes des autres. Parce que vous le savez probablement, si toutes ces fibres nerveuses qui conduisent des messages électriques se touchaient, ben ça ferait un court-circuit. Et oui, il y a certaines maladies, type sclérose en plaques, qui sont dues justement à la destruction de cette gaine de myéline. Donc, l'axone, le voici, c'est facile à comprendre. Cet axone, vous allez dire, se termine par quoi? Eh bien, il se termine ici par des petits boutons, des petites billes, des petites boulasses, qu'on appelle des boutons synaptiques ou des synapses. C'est grâce à ces synapses que les neurones vont pouvoir communiquer entre eux. Donc, notre axone avec notre gaine de myéline qui se termine par tout un tas de petites boulasses ici, ici, etc. qu'on appelle des synapses. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il y a le corps cellulaire de votre neurone, avec ici à l'intérieur son noyau. Et puis, il y a une particularité supplémentaire, c'est que ce corps cellulaire, il est entouré, vous le voyez ici, des espèces de petites racines, de petites radicelles, qu'on appelle des dendrites. Et ce sont ces dendrites qui vont communiquer aux neurones tout un tas d'informations, chacune provenant de dendrites différentes. Est-ce que c'est clair? Oui, j'en suis sûr. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que cela finalement. Sur l'image suivante, vous avez une illustration, on ne va pas épiloguer très longtemps là-dessus, c'est simplement pour vous faire comprendre que oui, l'activité nerveuse est bien électrique,
Parce que, comme vous le voyez ici, si on introduit ici une électrode à l'intérieur de l'axone, donc qui est le prolongement du neurone, souvenez-vous, et une à la surface, une à l'intérieur et une en surface, eh bien, on a ce que l'on appelle une différence de potentiel. Et comme vous le voyez à l'écran, cette différence de potentiel, c'est du voltage, hein, en fait, hein, indique moins 70 millivolts. Et oui, on peut comparer un message électrique à un courant, un message nerveux, pardon, à un courant électrique. Sur le slide suivant, on the next, vous avez donc un résumé de ce que je viens de dire concernant la manière dont le message électrique, le message nerveux est propagé. Et comme vous pouvez le voir ici, vous voyez que ce message nerveux va sauter de zones où il n'y a plus de gaine de myéline. Là, la gaine de myéline, elle s'arrête. C'est ce qu'on appelle un nœud de Ranvier. Donc, elle va en quelque sorte avoir une activité de saut, une activité saltatoire. On dit que le message nerveux est saltatoire. Pourquoi? Parce que finalement, c'est assez logique. Parce que comme je viens de vous le dire là, ces zones-là, c'est les zones où il y a la gaine. C'est un isolant. Eh bien, le courant électrique, entre guillemets, ne peut passer donc que de zone en zone où il n'y a plus cette gaine isolante. Et donc, ce qui explique que le courant, le message nerveux, va donc ne pouvoir aller que dans un sens. Attention, ça c'était une des questions de l'épreuve 0 du brevet des collèges. Va donc pouvoir aller que du corps cellulaire, ou des dendrites si vous préférez au départ, parce qu'il reçoit des informations des dendrites, d'accord, jusque au synapse. Donc, sur votre schéma, ça va donc de gauche à droite, et le message nerveux ne peut pas aller dans l'autre sens. Voilà comment se propage le message nerveux. Il le fait par saut. Bon, ça, on est allé un petit peu plus loin que le programme. Simplement également, pour ceux d'entre vous qui sont en lycée et qui n'ont pas très bien compris ce qu'était la conduction saltatoire, nous sommes certains maintenant que vous avez compris ce procédé très particulier qui explique comment se déplace le message nerveux. On the next, vous avez un exemple de ce que malheureusement il arrive parfois, il existe une maladie dont je vous ai dit quelques mots tout à l'heure qu'on appelle la sclérose en plaques. Alors cette sclérose en plaques, c'est tout bête en quelque sorte, hein, comme parfois certaines maladies. Eh bien vous avez ici des zones hein, où il n'y a plus de gaine de myéline. Vous voyez, il y a des trous dans la gaine de myéline par rapport à cette gaine de myéline ici qui est en parfait état. Eh bien, évidemment, ces trous, c'est pas bon parce que au final, eh bien, les fibres nerveuses des axones vont finir par se toucher, faire une espèce de court-circuit, et cela va entraîner un tremblement qui est caractéristique de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est donc une maladie liée à la dégradation de l'axone d'un neurone. Vous suivez toujours? Eh bien, maintenant, on va voir ce qui se passe dans le cerveau. Et oui, ce cerveau qui était considéré jusqu'en 1950 comme la boîte noire. C'est donc vous dire si on savait assez peu de choses jusque-là. Maintenant, on en sait quand même beaucoup plus. Vous avez ici un cerveau. Un cerveau, c'est quoi? Pour vous donner une petite idée, ça tiendrait dans mes deux mains. C'est à peu près 1,9 kg, d'accord? Et vous avez ici l'avant du cerveau et là l'arrière du cerveau. Ici, cette zone-là, c'est le cervelet. Alors le cervelet fait partie du cerveau et là vous avez évidemment le début de la moelle épinière qui se continuera ici, si vous l'avez compris sur ce qu'on a dit tout à l'heure, évidemment dans la colonne vertébrale. Alors le cervelet, c'est ce qui nous permet de savoir si on est droit, penché ou autre. Et oui, c'est la zone de traitement de l'information de notre équilibre. Donc, zone très importante. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cerveau? Il y a près de 100 milliards de neurones. Alors, on nous pose souvent la question, mais si on perd des neurones, est-ce que c'est grave? Non. D'ailleurs, là, actuellement, en train de vous parler, j'en perds. Alors, vous allez me dire, certains vont se dire, ça se voit. Bon, mais n'empêche que c'est pas en perdant qu'on devient moins intelligent, puisque ce qui va faire le QI, votre capacité à analyser les problèmes et à les résoudre, ce ne sera pas le nombre de vos neurones, mais ce seront les connexions que vous aurez réussi à établir entre ces neurones.
Or, ces neurones, où sont-ils dans le cerveau? Ben, c'est simple, vous avez ici une coupe de cerveau. Eh bien, cette coupe de cerveau vous indique une zone grisée. Je ne sais pas si on va pouvoir revenir un petit moment en arrière. Voilà, une zone grisée. Cette zone grisée, vous voyez, ça fait comme l'écorce d'un arbre. Eh bien, cette zone grisée, c'est ce qu'on appelle le cortex. Cortex veut dire écorce. Et vous avez ici ce que l'on peut voir dans la zone grisée. Et si vous regardez attentivement l'écran, vous allez reconnaître ici le corps cellulaire de tout un tas de neurones et puis tout un tas d'axones. Oui, dans la zone grisée, il y a les neurones. Sur le slide suivant, vous avez donc ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que ces neurones, ces milliards de neurones, peuvent se connecter. Si je dis 6 x 7, 42, 6 x 7, 42, 6 x 7, 42, 6 x 7, 42, j'apprends donc mes tables de multiplication, que se passe-t-il dans mon cerveau? Eh bien, les neurones vont établir des connexions entre eux. Vous voyez que ce neurone orange va établir une connexion avec le bleu et le vert. Et en réalité, ils vont constituer un réseau comme une toile d'araignée et qui va leur permettre de communiquer et éventuellement de garder en mémoire un certain nombre de choses comme le fait que 6 x 7 font bien 42. Oui, si l'on pouvait filmer là en ce moment ce que vous êtes en train d'apprendre grâce à DigiSchool, eh bien vous verriez vos neurones s'interconnecter entre eux. Ça paraît assez fou de se dire que des cellules peuvent en temps réel se connecter par l'intermédiaire, évidemment, vous l'avez compris, des synapses. C'est ce que Changeux a appelé il y a maintenant pas mal de temps la plasticité neuronale. Alors c'est simplement pour information pour les lycéens, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas très bien compris ce qu'est la plasticité neuronale, c'est ça, c'est la capacité de notre cerveau à modifier les connexions qui existent pour en faire un réseau nouveau ou alors désapprendre. Parce que si je ne révise pas trop souvent que 6 x 7 font bien 42, eh bien les connexions là, qui s'étaient faites, pour que je m'en rappelle, vont finir par se déconnecter et je ne me rappellerai plus que 6 x 7 font, 42, bien sûr. Sur le slide suivant, vous avez une illustration, ce n'est pas une photographie, de ce à quoi ressemble probablement votre cerveau. Voilà, des milliards de neurones connectés entre eux. Et on va le voir tout de suite après. Ces neurones se sont regroupés, se sont spécialisés pour traiter un certain nombre d'informations. Oui, vous avez dans votre crâne, dans votre cerveau, 100 milliards de neurones qui échangent des informations, notamment grâce aux synapses, communiquant par des substances chimiques, ces informations-là. On the next, vous avez effectivement une illustration précise de ce qui se passe entre deux neurones. Et c'est un bon résumé de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous imaginez bien que là, sur la gauche, il y a un autre neurone que l'on ne voit pas. Vous voyez ici son axone se prolonger jusqu'à une synapse. Et là, vous avez ensuite un nouveau neurone avec son noyau. Bon. Eh bien, comment le message nerveux passe de l'un à l'autre? Vous avez ici des espèces de petites billes, des espèces de petites boules. À l'intérieur de chacune d'entre elles, il y a ce qu'on appelle un neuromédiateur, un message chimique qui va être libéré dans l'espace qui existe entre la synapse et le neurone, ce qu'on appelle l'espace intersynaptique. Ça, je m'adresse surtout pour ceux qui sont en lycée. Et en se libérant, ils vont activer le neurone suivant. Et par conséquent, le message nerveux sera bien passé de la terminaison de ce neurone-là jusqu'au neurone suivant. Et il faut imaginer ça en temps réel, là, dans votre cerveau, des centaines, des milliers, des millions, des milliards de fois. L'image que vous voyez crée en vous une idée, une pensée. Eh bien, ça fait bizarre de se dire que la pensée que vous avez actuellement, en vous disant, mais moi aussi, par exemple, j'aimerais bien avoir les cheveux de Albert Einstein. Eh bien, c'est une somme de messages électriques. C'est bien pour ça que les informaticiens travaillent également là-dessus pour éventuellement un jour coupler des neurones, donc des cellules vivantes, à un circuit électrique pour en faire des ordinateurs qui seraient à la fois en machine et à la fois être vivants. Alors, nous ne sommes pas dans la science-fiction, il y a déjà des laboratoires qui bossent là-dessus. Et oui, la pensée est électrique.
C'est étonnant, non? Sur le slide suivant, vous avez ici quelque chose de plus précis. On a pris un exemple que vous connaissez peut-être, ce que l'on appelle la sérotonine. Alors pourquoi on prend cet exemple? Parce que c'est assez récent, on va dire. Les médecins attribuent les dépressions à un déficit de sérotonine. Alors je fais une petite parenthèse, hein, après avoir lu un bouquin d'ailleurs extraordinaire qui parlait de cela. L'essentiel de la sérotonine est justement produite par les neurones que l'on a dans notre intestin. Et vous êtes en train peut-être de dire, mais alors, est-ce que la dépression pourrait donc être due à ce qui se passe dans l'intestin et notamment au niveau bactérien? Oui. Et là, ça ouvre un champ médical absolument extraordinaire. Parce que cette sérotonine, elle est importante dans notre humeur. C'est pour ça qu'on se sent joyeux ou pas. D'ailleurs, on constate que les dépressifs font un déficit en sérotonine. C'est pour ça que nous avons pris ici cet exemple, la sérotonine, qui, comme toutes les autres substances chimiques dont on a parlé, sont transmises, elles aussi, d'un neurone à un autre. Sérotonine et dopamine, ce sont les deux substances qui font que vous, là, derrière votre écran, vous êtes joyeux et heureux de vivre. Ah oui, vous vous rendez compte un petit peu le système nerveux, à quel point il influence nos vies. Juste une petite illustration pour vous montrer qu'effectivement, lorsque j'apprends, c'est-à-dire lorsque je passe de cet état-là à cet état-là, vous voyez que je crée d'autres connexions, comme vous êtes là actuellement en train de le faire. Et vous comprenez maintenant que finalement, l'intelligence, votre capacité à réfléchir, à analyser des situations, ne dépend donc pas du nombre de neurones. Là, on a toujours deux neurones, ici et puis également ici. Mais va dépendre du nombre de connexions que ces neurones vont établir entre eux. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui ont des QI absolument exceptionnels, dont on dit qu'ils sont surdoués, je vous donne un petit chiffre, quand on a un QI supérieur à 130, ça représente à peu près 5% de la population. C'est à partir de là qu'on considère qu'un individu est entre guillemets surdoué ou précoce, etc. Amusez-vous à tester vous-même votre QI pour vous assurer que vous êtes bien, comme Albert Einstein qui est à 163. Bien. Eh bien, c'est bien cet ensemble de fonctionnement neuronal qui va faire votre capacité à réfléchir. Et on constate d'ailleurs que ces individus qui sont, on va dire, extrêmement intelligents, qui ont cette capacité supérieure, rendez-vous compte, je vous ai parlé d'un record à 225, on constate que même les neurones ne fonctionnent pas tout à fait pareil. En tout cas, il y a un ensemble de neurones qui fonctionnent en même temps, alors que chez l'individu lambda, il y a seulement moins de neurones qui fonctionnent en même temps, ce qui explique cette différence de capacité. Slide suivant. Alors, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à nous permettre de réagir dans notre environnement, bien sûr. Cet environnement, il y a tout un tas d'informations qui nous viennent. Des sons, des odeurs, etc., des saveurs. Bon, il faut des capteurs pour recevoir toutes ces informations. Ces capteurs sont ce qu'on appelle les organes des sens. Et comme vous l'avez ici à l'image, nous avons cinq sens. La vue, qu'on appelle également la vision, l'odorat, qu'on appelle également l'olfaction, le toucher, qu'on appelle également le toucher, l'ouïe, qu'on appelle également l'audition, et enfin le goût, qu'on appelle également la gustation. Donc ça, ce sont des sens, et à chacun de ces sens va correspondre à un organe des sens. Par exemple, pour la vue ou la vision, l'organe des sens correspondant à la vue ou la vision est donc l'œil. L'organe des sens correspondant à l'odorat et l'olfaction est donc le nez. Et c'est grâce à ces récepteurs que nous avons des informations sur notre environnement. C'est grâce à ces informations que l'on peut donc interagir avec notre environnement pour aller chasser, cueillir, réagir à une situation, etc. Alors évidemment, vous l'avez compris, tous les animaux n'ont pas les mêmes organes des sens, n'ont donc pas les mêmes sens. Prenez par exemple les requins, ils sont capables de détecter une activité électrique dans l'eau, nous on ne sait pas faire. Ils sont capables de détecter une goutte de sang dans une piscine, nous on ne sait pas faire. Etc, etc. Les oiseaux, par exemple, ont très peu d'odorat parce que c'est un sens qui ne leur sert pas à grand-chose, etc, etc. Donc, ça, c'est pour l'homme, mais ça n'est pas valable pour les autres animaux.
On the next slide. Vous avez ici maintenant une illustration du lien qui existe entre vos récepteurs et puis ce qui se passe dans votre cerveau. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de zones spécialisées. Eh bien, comme vous pouvez le constater, à chacun de ces sens correspond une zone précise dans votre cerveau. Vous avez par exemple ici la zone en bleu qui correspond à la vue. En regardant le live de DigiSchool, le seul live de France, eh bien les images que vous êtes en train de regarder se forment dans cette zone-là du cerveau, c'est-à-dire à l'arrière de votre cerveau, ce qu'on appelle la zone occipitale, là. D'accord ? Si vous touchez votre souris de votre ordinateur, vous recevez l'information dans cette zone-là, la zone du toucher. Et oui, le cerveau est constitué de zones qui sont spécialisées pour traiter des informations provenant de certains organes des sens. Ce n'est pas quelque chose d'homogène. On the next. Nous avons donc, sur l'image suivante, qui va arriver, bien sûr, la voici, des zones spécialisées avec une particularité. Je m'explique. Je vous ai parlé de zones spécialisées. Mais rappelez-vous, c'est là où ça devient un peu complexe le cours. Rappelez-vous, il y avait des nerfs sensitifs et des nerfs moteurs. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre que dans le cerveau aussi, il va y avoir des zones pour chacun de nos sens également, comme on l'a vu précédemment, qui vont se charger de l'information que l'on reçoit par les nerfs sensitifs et donc qui seront des aires sensitives, d'accord ? Ce qu'on appelle ici des aires, par exemple, somatosensorielles, qui correspond à ça, mais également des aires, des zones, qui vont permettre d'activer les nerfs moteurs qui vont nous permettre, par exemple, de courir pour ne pas se faire percuter par la voiture, si on reprend l'exemple de tout à l'heure. Et ce seront donc des aires motrices. Et chacune de ces zones ne sont pas au même endroit. Je résume. Nous avons des informations qui nous viennent par les organes des sens, qui correspondent à des zones sensitives du cerveau. C'est là que sont analysées toutes ces informations. Et nous avons des zones du cerveau qui vont donner une réponse transmise par les nerfs moteurs. Et ce seront des zones motrices. Là, vous avez le cerveau moteur. Quand je dis le cerveau moteur, ce sont donc les zones du cerveau qui sont chargées de donner une réponse grâce au nerf moteur. Et comme vous le voyez sur cette illustration assez spectaculaire, vous vous rendez compte que les zones spécialisées pour le pied, pour la main, pour la bouche, ne sont pas de la même surface. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans notre cerveau, on a, par exemple, pour pouvoir parler, on ne se rend pas compte, mais parler, c'est quelque chose qui nécessite dans notre cerveau beaucoup de calculs. Pour articuler nos lèvres ainsi que notre langue et donc constituer un langage, il faut beaucoup de neurones pour faire ça. C'est pour ça que la zone qui correspond ici à la bouche, vous voyez qu'elle est très grosse. Sur l'image suivante, si on s'amuse à reconstituer à l'échelle chacune de ces zones, on a ceci. On a donc une illustration, une image de notre cerveau indiquant pour chacun de nos organes la quantité de neurones qui est utilisée pour faire bouger cet organe. Exemple, la main. Vous voyez que la main est énorme. Pourquoi ? Parce que la zone du cerveau chargée de faire fonctionner notre main est énorme. Ici, le bras, très petit. Parce que pour faire fonctionner un bras, il n'y a pas besoin de beaucoup de neurones. Il suffit de faire des flexions, des extensions, ce n'est pas compliqué. Mais reprenons l'exemple de la main pour jouer de la guitare, pour peindre, pour écrire. Tout ça, c'est extrêmement méticuleux. Il faut une capacité de calcul de notre cerveau extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle vous avez donc et la main et la bouche qui sont totalement disproportionnées par rapport au reste du corps de l'homme, mais qui illustrent bien le fait que nous avons dans le cerveau des zones plus importantes pour gérer ces deux organes. Spectaculaire, non, ne trouvez-vous pas ? D'ailleurs, petit air de parenté quand même avec cet individu. Sur le slide suivant,
On va prendre un exemple d'un organe des sens, et là vous l'avez reconnu, je pense, il s'agit de la langue. Donc l'organe des sens responsable du sens appelé le goût ou la gustation. Alors, ce n'est pas toujours le cas pour tous les organes des sens, mais la langue a cette chose-là de particulière. Et puis, quand même, nous sommes en France, on aime bien manger, on aime bien boire, on aime bien apprécier les saveurs. Eh bien, vous pouvez constater sur cette illustration que notre récepteur, donc, l'organe des sens du goût de la gustation, à des zones qui sont spécialisées également. Exemple, vous avez ici au bout de la langue, ici, toute la zone qui est chargée de capter le sucré. C'est la raison pour laquelle lorsque vous prenez une glace, c'est inconscient en fait, on ne réfléchit pas en se disant « Tiens, je sais que c'est la zone du bout de la langue qui capte le sucré. » Lorsque je prends une glace, eh ben, je lèche ma glace comme ça, au bout de la langue. Pourquoi ? Parce que je me rends bien compte que c'est là que je vais ressentir le plus le sucré. Pour les amateurs de bière, et il y en a, je le sais, vous avez ici l'amertume, l'amer est capté au fond de la langue, au fond de la bouche, au bout de la langue. C'est la raison pour laquelle les goûteurs de bière sont pratiquement obligés d'avaler la bière, pour que cette bière, en passant sur cette zone, leur permette d'identifier le niveau d'amertume de cette bière qu'ils sont en train de déguster. L'acide, regardez, l'acide, c'est plutôt à l'arrière de votre bouche, sur les côtés de votre langue. C'est la raison pour laquelle, quand on a quelque chose d'acide, on fait souvent... Parce qu'on fait circuler de l'air sur le côté pour amplifier encore cette sensation, cette captation, cette réception de l'acide par cette zone-là de la langue. Alors, nous n'avons pas tous exactement les mêmes langues, bien évidemment, parce que les zones de notre langue, d'un individu à l'autre, ne sont pas les mêmes. Sur le slide suivant, eh bien, vous avez une illustration de ce que l'on a dit. On a vu là précédemment le récepteur, l'organe du sens goût. Eh bien, cet organe du sens goût est évidemment relié ici au cerveau par un nerf. Un nerf, qu'est-ce que quelqu'un vous dit ? Oui, un nerf sensitif. Qui va donc rejoindre, vous le voyez ici, l'air qui va traiter l'information du goût, qui se trouve ici en rouge, là. C'est ici que se trouve la zone de votre cerveau qui va justement analyser le goût que vous êtes, de ce que vous êtes en train de manger ou de boire, et qui va éventuellement donner une réponse du style « mais c'est bon !» ou « moins bon !» d'ailleurs. Donc ça n'est qu'un exemple que vous pourriez éventuellement avoir au brevet des collèges concernant la gustation. Sur l'image suivante, et c'est là-dessus que l'on va terminer ce live qui, nous l'espérons, a été clair. Vous avez un exemple de ce qu'on appelle d'illusion d'optique. Parce qu'on pourrait croire que le cerveau n'est pas capable de faire des erreurs. Eh bien si, il est capable de faire des erreurs. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien à l'écran, mais vous devez avoir la sensation de voir tourner les disques. Bon, en réalité, vous l'avez sûrement compris, si vous regardez ce disque-là, parce qu'il est en train de tourner, tout subitement, en le fixant, il s'arrête de tourner. Et au moment où vous fixez celui-ci, c'est peut-être celui-ci qui se met à bouger. Que se passe-t-il ? En réalité, dans cette image, rien ne bouge. C'est donc une erreur d'interprétation de votre cerveau qui croit voir un mouvement où il n'y en a pas. Alors, normalement, vous devez voir tourner vos disques dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ceci. Alors, pourquoi ? Alors, on sait pourquoi. Si vous regardez attentivement de quoi sont faits les disques, ils sont faits d'une succession, ici, de motifs qui sont répétés les uns à la suite des autres. Et si maintenant, je prends l'un d'entre eux, regardez, je prends par exemple celui-ci. Il est constitué de plusieurs couleurs qui vont du noir au rouge. Donc d'une couleur sombre à une couleur plus claire. Eh bien, la raison expliquant qu'on a l'impression de voir tourner le disque dans ce sens-là, c'est tout simplement parce que notre cerveau ne lit pas les couleurs
instantanément. Il lit d'abord les couleurs les plus sombres, c'est-à-dire le noir, pour, avec un petit décalage bien sûr, lire ensuite le rouge. C'est la raison pour laquelle on a l'impression que le disque tourne dans le sens contraire ici des aiguilles d'une montre. Alors vous pourrez trouver d'ailleurs sur Internet tout un tas d'autres exemples d'illusions d'optique, qui d'ailleurs certaines d'entre elles ne sont même pas connues, c'est-à-dire on ne sait pas trop pourquoi le cerveau est capable d'erreurs. Notre cerveau n'est pas parfait, hein. Bien au contraire, il est comme n'importe quel organe, il est capable de faire un certain nombre d'erreurs. Alors celles-ci sont plutôt spectaculaires, mais je le redis, vous trouverez sur Internet tout un tas d'autres exemples qui montrent bien que la perception que l'on a de notre monde n'est pas toujours la réalité, et notamment sur les illusions d'optique, mais il en existe d'autres. Y a-t-il, chers diginautes, des questions qui sont en train de naître dans votre cerveau? Y a-t-il des neurones dans les nerfs et quelle différence entre les neurones et les nerfs? Alors là, c'est sûrement un diginaute ou une diginaute qui n'a pas suivi le live depuis le début, c'est pas bien. En réalité, je fais un rapide résumé, le neurone est une cellule qui a un long prolongement qu'on appelle l'axone. Eh bien, l'axone est une fibre nerveuse. Et l'ensemble de centaines de milliers de fibres nerveuses constitue un nerf. Donc un nerf n'est pas un neurone, un nerf est un bout de neurone. Oui, mais vous avez raison de poser cette question parce que c'est vraiment un point très important justement pour comprendre la relation qui existe entre les neurones et les nerfs. Et il y a beaucoup d'élèves, même en terminale S, qui ont du mal à relier les deux. Est-ce que les neurones sont attachés à la moelle épinière? Alors, si vous avez suivi également ce que l'on a dit précédemment, il y a certains neurones, beaucoup de neurones dans la moelle épinière. Comme on l'a vu également sur un des slides, oui, les récepteurs sont connectés à la moelle épinière. Donc oui, il y a une connexion entre les deux, c'est exact. La plupart de nos nerfs, hein, je vous le ferai quand même remarquer, si on me marche sur le pied, eh bien, il y a un nerf sensitif qui va remonter jusqu'à ma moelle épinière, à ma colonne vertébrale. Un autre neurone va fournir l'information à mon cerveau, me faisant dire que quelqu'un est en train de me marcher sur les pieds. Tout ceci, vous l'avez compris, est donc interconnecté grâce aux neurones. Alors, peut-on perdre des neurones quand on a la maladie d'Alzheimer? Alors, pour être très précis, la maladie d'Alzheimer est en quelque sorte une perte de neurones. Pourquoi? Il y a une zone du cerveau qui gère la mémoire immédiate. Et la maladie d'Alzheimer, c'est quoi? C'est la création d'une protéine qui va progressivement détruire cette zone. Si on regarde le cerveau d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, eh bien, il y a des zones, il y a des trous. Oui, ça détruit certains neurones. Et il se trouve que ces neurones qui sont détruits par cette protéine qui ne devrait pas se former, eh bien, empêchent la zone de la mémoire immédiate de fonctionner, ce qui explique que ceux qui ont Alzheimer ne cessent de poser la même question sur des événements récents. Par exemple, en allant chez quelqu'un, mais où est-ce que je vais? Ah, on va là-bas, on va chez Marcel, et puis au bout de 2 minutes, mais où va-t-on? Je ne me rappelle plus, où est-ce qu'on va chez Marcel, etc. etc. Ils demandent en répétition des informations qu'ils ont déjà eues précédemment, mais qui malheureusement ne peuvent plus être stockées, puisque la zone où ces informations devraient être stockées est détruite. Quels sont les effets des stupéfiants sur le cerveau? Ah, quels sont les effets des stupéfiants sur le cerveau? Alors, les stupéfiants, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils font, d'abord, ils ont des effets un peu semblables à l'alcool. Pour faire simple, ils vont ralentir votre activité cérébrale, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas réfléchir à la même vitesse. Des études, maintenant, qui datent un petit peu, mais qui n'étaient pas vraies il y a 10 ans, on ne savait pas. Ils sachaient, jeunes diginautes, que si vous fumez du pchit ou des choses comme ça, des stupéfiants, eh bien ceci est un facteur capable de déclencher la schizophrénie. Schizophrénie est une attention en cours,
sont les conséquences de la prise régulière de stupéfiants. Oui, maintenant, on sait que la prise de stupéfiants, de drogue, va conduire le cerveau à ne plus être capable de se concentrer, ce qui explique que les élèves qui consomment des stupéfiants régulièrement, eh bien, décrochent scolairement. Et puis, dans certains cas, cela déclenche un début de schizophrénie. Ça n'est pas directement lié, mais comme dans beaucoup de cas en médecine, c'est un facteur déclenchant. Donc évidemment, tous ces produits sont à bannir. Est-ce que vous pouvez réexpliquer la synapse ? Est-ce que je peux réexpliquer la synapse ? Of course, nous sommes là pour ça, chers amis diginautes. Tous les gens qui travaillent dans le studio et toute l'équipe que vous ne voyez pas, on est là pour répondre à vos questions. Alors la synapse, c'est très simple. Rappelez-vous l'axone. Cet axone se termine par des espèces de prolongements qui ressembleront un petit peu à mes doigts. Et au bout de ces doigts, il y a des petites boules. C'est ce qu'on appelle une synapse. Et c'est dans cette boulasse que se crée un produit qui va être transmis au neurone suivant et donc permettre le message nerveux qui était dans cette synapse de passer au neurone suivant. Nothing else! C'est fini! Nous espérons que ce live vous aura éclairé grandement sur cette épreuve qui ne va pas tarder maintenant à arriver. Oui, la pression monte, mais nous sommes à vos côtés. Nous sommes absolument certains que vous réussirez cet examen. Vous pouvez évidemment nous contacter sur tous ces réseaux sociaux. Faites-le savoir à vos potes, parce que si nous sommes là, c'est pour vous. Et c'est grâce à vous aussi que nous sommes là. Faites-leur savoir que le seul live qui répond à vos questions en direct, c'est bien ici, c'est à DigiSchool. C'est la raison pour laquelle toute l'équipe ici qui a bossé pour vous également en même temps que moi, nous vous disons... À coup sûr, à très bientôt sur DigiSchool.